Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, yon attaque l'armée Israël, prend la vie trois petites garçons, leader suprême Hamas là, Ismaël Haniyeh, qui fait annonce là dans moment gagné yon négociation qu'a fait pour cesser le feu dans Gaza. Il touye trois petites. Un chat pour me tomber. Hey! Les uns sont mélangés dans l'autre bout du monde. C'est aux États-Unis, président Joe Biden accueilli dans la Maison Blanche, premier ministre japonais Fumio Kishida, côté au palais, entre autres, de technologie et défense. Spéciale réunion dans siège de l'organisation État américain OEA dans Washington, sous un conflit diplomatique entre Équateur et Mexique, après arrestation ancien vice-président équatorien Jorge Glass dans l'ambassade Mexique, dans la ville Quito, en Équateur. Et puis, ça reste vraiment ça pour entrer dans l'ambassade là. Oh, ça c'est mon tête. Actualité en Haïti, installation conseil présidentiel transition, toujours dans l'impasse pendant la crise là continue à aggraver dans le pays. Tête charge, on a avancé, gars. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre con, nous allons développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Eh bien, visite officielle, Cap Geladan dîner d'État, dans l'occasion Vireon, premier ministre japonais aux États-Unis. Une visite qui commence aujourd'hui à dans la Maison Blanche, on a loué sa vie près. Non. Ok, intéressant. Ma vie à nos dîners d'État. On dîner. Je ne peux pas participer à nos dîners d'État. Je regarde les tabios, mon série de paroles qui parlent. Belle politique! Let's go! Dans la Maison Blanche, jeudi, mercredi 10 avril 2024, la président Joe Biden et toute première dame Jill Biden recevront premier ministre japonais Fumio Kishida qui est gagné avec tout, madame ni. Monsieur Biden accueille avec un pile honneur visiteur Sayo, non, ça un pile monde considéré tant qu'on visite. Wow, quand on porte mes protocoles là, qui toujours kembem dans cause yo. On j'en moun yo, on j'en yo classique, on j'en yo fait dans l'ordre et discipline. Hey, pas de moun kap monte sou moun, journaliste son côté, caméraman son côté, chaque moun nan place yo, et puis wap gade moun yo, wap moun pap fota moun pas soue sou moun. Let's go. Historique. Distinguished guests, the President of the United States. Ms. Kishida, welcome. Président Biden nan non vice-présidente la Kamala Harris ak tout maril nan non peuple américain accueilli coupe japonais nan pays a pendant li présenté leader japonais comme un leader visionnaire et courageux pour mesure li prend pour soutenir Ukraine nan lutte contre invasion la Russie. Ah bon, Japon te soutenir Ukraine. OK, c'est bien ça, je comprends maintenant. Cadet chrétien vivant dans la cour. Les japonais à bon côté pas le remercier leader américain pour accueil chaleureux li recevoir dans occasion virewon ça dans moment y a travail sous défense indo-pacifique là. Premier ministre japonais a expliqué que gouvernement là paré pour tourner un partenariat mondial pour lever un pile défi dans la région et défi dans le monde. Et l'actualité a mené nous dans la région. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu finis là, là, là? Moi, nous, côté président Joe Biden, pensait que ça, c'est à pour erreur si Israël menait opération dans Rafah pendant ce temps, gagnait deux. Et suprême Hamas là qui perdu trois petites garçons, trois dans petites garçons et puis gagne quatre petites tout qui mourir pendant que a gagne une négociation qui sous pied pour essayer de joindre cesser le feu dans Gaza. Nous allons mise à jour avec Serge Rodriguez. Dans une interview, président Joe Biden, by station Univision, et que chaîne Pagnol l'a diffusé hier mardi 9 avril là, leader États-Unis a exprimé gros qu'est sauté sous action pour le premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, à poser dans le cadre de conflit État-Juif là, à groupe Hamas là. Il qualifie action Sayo comme une erreur, particulièrement attaque militaire israélienne été lancée sous véhicule personnel qui a fait assistance humanitaire dans Gaza. M. Biden t'a aimé pour État-Juif là, proposer un cessez-le-feu qui va être camion qui a porté manger avec médicaments, accès au territoire Gaza pendant 6 à 8 semaines qui a vint là. Yon l'autre côté, dirigeant groupe Hamas Ismaël Haniyeh annoncé sous chaîne télévision Al Jazeera la mort trois petites garçons avec plusieurs petites lits qui périnent en frappe militaire israélienne lancée sous Gaza. Oh. On remercie bon Dieu pour honneur qui transforme trois petites garçons avec diverses petites moins en martyrs. Monsieur Haniyeh te fait annoncer, étant dans le pays Qatar, leader groupe Hamas là qui a 61 ans, gagne 13 petites garçons avec petites filles en tout. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci beaucoup, garçon. Donc, les négociations vont continuer pour essayer de joindre un cessez-le-feu dans Gaza. Et pendant que le président Joe Biden, l'autre fois encore, ensemble avec les Nations Unies, l'autre instance dit que
c'est à un erreur si Israël menait opération ça dans Rafah pendant tout que gain premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dit que eh ben c'est dernière phase pour déraciner Hamas sous la terre c'est et mener une opération dans Rafah. L'autre point d'actualité a une spéciale réunion dans le siège Nations Unies pas dans Nations Unies dans OEA plutôt dans Washington côté où t'as considéré conflit diplomatique entre Équateur avec Mexique après arrestation et ancien vice-président équatorien Georges Glass dans ambassade Mexique là dans ville Quito en Équateur. Jean-Aubert Philippe qui suivre pour nous dossier ça. Jean-Aubert et faut dire que tension diplomatique ça déjà gain conséquences. Oui, effectivement, c'est il y a gros il y a un pile qui a sauté tout pour que par une pétition qui fait comme ça dans zone là. Les par exemple force de l'ordre entrer dans l'ambassade qui sont en mission qui est en général d'après la loi internationale qui est inviolable. Et c'est comme ça réunion ça a fait mais tout et États-Unis et ensemble avec l'OEA ils ont demandé à ce que et parties concernées donc Équateur avec Mexique que chercher je nous entente pour résoudre le problème diplomatique ça sans pas besoin d'en bouche l'ouvrir et c'est comme ça que rencontre ça qui était fait jeudi là c'était objectif là tant des parties concernées tant des autres pays et tout mais quoi t'as dit il défend une position là et le fait que il était entré dans l'ambassade là il a des informations que très certainement pays concernés que ce soit Mexique ou bien l'autre pays dans la région pas de bien. Ah bon? Mexique n'a bouche l'ouvrir diplomatique avec Équateur après descendre de l'île force de l'ordre été fait dans l'ambassade pays à Quito pour arrêter ancien vice-président. Mais ça me gâche à Botel. À la traque, papa. J'ai grâce qui déprend refuge dans la mission diplomatique mexicaine. L'assalto à notre embajada. Président Manuel López Obrador parlait pour dire c'était une attaque sur l'ambassade là. Le gouvernement n'a pas posé action comme ça s'il n'est pas senti, il y a un support l'autre gouvernement. Pour raison ça, nous pourrons porter dossier devant le tribunal de justice international. Enregistrement vidéo montré personnel de l'ambassade là qui t'a cherché empêcher force de l'ordre arrêter ancien vice-président. Mexique t'a offert ancien vice-président glace asile. Président Obrador déploré position États-Unis à Canada pour façon il réagit après descente de l'IA dans l'ambassade là. Selon leader mexicain, position du pays voisin yo vague et au parquet. Le 19 avril là, États-Unis t'a demandé Équateur pour travailler avec Mexique pour joindre une solution pour chirer pit diplomatique que yo gain entre yo. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. États-Unis en Dick Sullivan dit, États-Unis condamné événement 5 avril là, qui c'est une violation convention relations diplomatiques Vienna, tant qu'utilisation de la force contre responsable ambassadeur. Nous réviser image qui sous caméra sécurité ambassade Mexique là, et quoi réaction pas de bon. Pour qu'on y ait là, employé ambassade Mexique là, dans Quito, retenez la CAIO sous demande autorité mexicaine. Okay. Pays membre organisation État américain a rejeté opération force de l'ordre Équateur fait dans l'ambassade Mexique là, dans Quito. Il réitéré l'obligation que tiennent tous les États de ne invoquer normes de droit interne pour justifier. Secrétaire général de l'organisation régionale là, Luis Almagro, déclaré Équateur de respecter les lois internationales. Issue diplomatique inviolable. Numéro 1, l'OEA a ajouté loi interne PIA pas capable de justifier des centres de lieu. Roger Glass, qui était vice-président en 2013 et 2017, était condamné pour passer 6 ans en prison pour accusation que l'été accepté coûte l'argent en battable dans une compagnie construction brésilienne Odebrecht pour être capable de faire joindre en retour contrat gouvernement. En 2020, ancien vice-président a eu l'autre condamnation 8 ans en prison en bas accusation que l'été utilisé l'argent contracté pour te financer campagne mouvement politique président Rafael Correa. Tribunal là a été lagué glace en 2022. Jeudi, elle a fait face avec l'accusation que l'État a mal utilisé l'argent qui était là pour aider le travail de reconstruction province Manabi, qui bol en mer après tremblement de terre 2016 là, c'est dévasté. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci beaucoup. Merci Jean-Robert Philippe. Il y a plusieurs personnalités qui prennent la parole dans le dossier. Ça, d'ailleurs, le dossier a été déjà devant Nations Unies. Il y a Rafael Correa, ancien président équatorien, qui lui-même pensait que son kidnapping que vous faites sous ancien vice-président équatorien et puis Guerrero Glass et Diaz qui c'est petit et garçon ancien vice-président qui lui-même il dit l'a laissé deux fois pour loi papal il pensait que c'est un abus que vous faites sous loi. Vous souvenez ou à Creole, on suivi un programme
dans langue créole haïtien. Actualité après nous qu'on y a dans pays d'Haïti et côté installation conseil présidentiel transition, il est toujours dans passage. Il y a un problème internet garçon, il faut installer, pas d'espace. Il y a clean palais, trop fatra. Il y a clean palais, et puis il vient mettre nos présidents. M'envie à l'installation. M'envie participer à un dîner d'État. Yes, let's go. Pendant que la crise là a continué à aggraver dans le pays, surtout avec opposition, avec contestation par rapport à le conseil présidentiel transition, nous allons rejoindre le correspondant Renan Toussaint. En pile personnalité haïtienne attend publication dans le journal officiel l'État, les moniteurs, non 9 citoyens qui pourraient faire partie officiellement conseil présidentiel transition. On ne sait pas pour qui est là, puisque mardi soir, 9 avril 2024, gouvernement démissionnaire Ariel Henry, qui était réuni en conseil des ministres, transmet projet accord qui crée organisation et fonctionnement structure ça dans le service juridique tout ministère pour capable vérifier si projet est conforme à la loi organique institution l'État. Ancien premier ministre haïtien Evans Paul dit démarche-là pas bon parce que gouvernement démissionnaire. Qui ne comprend pas le problème non, parce que il y a un voyage liste pour dire publier dans le moniteur. Mais il y a un mécanisme pour publier dans le moniteur. Ah bon? On ne peut pas demander à un gouvernement, même s'il est démissionnaire, raison plus, les démissionnaires, pour publier un bagage illégal. Bon, côté pas. On sortait à des légales. La donne à l'ombre! Il y a un pitié pour papa ici. Nos politiciens sont tellement cool. Rose Mongeant, qui est leader Front National, organisation résistance pour un Haïti stable et démocratique, qui regroupe plusieurs dizaines de structures sociopolitiques parmi eux, Haïti diaspora réunie pour Jomo et diverses autres, qui réagit tout sur le dossier ça, dit ministre qu'il a eu pas de prérogative légale pour réunir un conseil des ministres. Dans ce temps, la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, attend mise en place officielle conseil présidentiel transition. Renan Toussaint, ou VOA Creole, Port-au-Prince. Eh bien, effectivement, il y a un coordinateur général national organisation pour Haïti qui est stable et démocratique, Rosemont Jean, il a annoncé une manifestation contre mise en place et conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre Massado Vilmé, il trouve la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Rosemont Jean qui identifie tête comme un opposant au gouvernement Ariel Henry et puis qui dit qu'il pas marché dans démarche carré comme là, annoncé une manifestation pour vendredi 12 avril qui vient là. Pour aller dénoncer des massila yo kwè qui c'est une menace contre l'indépendance pays. Nous dit la CARICOM, les États-Unis, la France, le Canada pas gain ça dans attribution puisque yo k'ap nommé président pour nous. Pardon, k'ap nommé président pour nous en Haïti. Et encore plus qui venait avec au conseil créé de 10 moun de 9 moun de 9 malfaiteurs. Nous dit nous-mêmes n'a pas résistance parce que c'est un très mauvais antécédent, il a créé la caillou. C'est une menace à l'indépendance, nous, c'est une menace à la souveraineté, nous. Nous-mêmes, comme haïtiens, personne ne va arrêter de voir ça. Mais nous, pour nous dénoncer et on t'a dit, tentative qu'a fait là pour vendre le pays. Quelle stratégie, c'est pour faire force pour nous répondre dans toute mobilisation, pour nous casser les bagages là, pour nous casser la stabilité, ça, pour nous résoudre le problème de stabilité. En termes de réaction, quelques citoyens plaident en faveur avancement mise en place collège présidentiel là. Moment arrivé pour haïtiens conscients des situations. Je crois que monde qui soit disant dire dans conseil là, c'est pas monde qui sorti en l'air, c'est pas monde qui sorti en France, c'est pas monde qui sorti aux États-Unis, c'est des haïtiens oui. Je dis si haïtien pas conscient de ça qui passe dans le pays, donc capable de finalement pas haïtien. Mais m'a conseillé que en conseil, hein, comme pour les jeunes non alternatifs, le consensus, l'entente politique pour permettre de faire en sorte que le doté pays a des présidents qui se tiennent dans le conseil. Okay. Là. En fait, le conseil, je ne suis pas à dire que son bagage va faire pour pays. Mais moi, comme étant donné que moi, son bagage qui est plus ou moins là, plus ou moins, moi, c'est l'inéra pour parler sur lui tout côté de la radio. Mais il faut que nous connaissions que le peuple a souffert là. Ok, vous pouvez souffrir là, vous pouvez vous donner une solution. Je ne sais pas qui est le cabinet de conseil, je ne sais pas qui est le cabinet de président.
Mais son seul bagage, il a besoin d'aller au souffle. Bon, moi, en tant que citoyen et citoyen avisé, je souhaite que le conseil porte un résultat pour la population. Face à l'instabilité politique là, qui traînait derrière une augmentation de violence et un niveau d'insécurité sans pareil, qui la cause monnaie haïtien a perdu valeur devant dollar américain. Ça, c'est vrai. Le formel là, c'est 132 à 133 gouttes pour le dollar. Ah, donc tu m'as dit, pour le dollar américain. Hadji. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massia de Villemé. Merci, Do. Merci, Massia de Villemé. Pendant que l'installation, conseil présidentiel transition, lui-même, lui, en difficulté, gagne plusieurs secteurs dans la vie nationale là, qui continuent à réclamer pour y aller. Dans le cours de cassation pour rejoindre un juge qui régulièrement nommé pour venir assurer transition. Donc, ça qui fait que jusqu'à présent, il y a un pile flou. Dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti, pendant que la communauté internationale lui-même, il y a même gardé pour ouais. Et dans quelle mesure que l'installation ça capable de faire. Et puis, dans la question de gang armé qui continue à simer la terre, il y a Gary Desrosiers qui présentait un bilan. Opération police nationale a mené pendant dernier jour que se passait là dans le pays pour faire face à face carré avec gang Améo. Nous sommes sur place Yves Manuel n'importe quoi. OK. Direction générale police nationale d'Haïti a présenté bilan partiel intervention à opération li mené pendant période 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là. 12 fusils d'assaut, 14 pistolets de calibre 9 mm qui saisis lors d'une intervention conjointe qui fait au cap, dans le douane. OK. S'il vous plaît, porte-parole là, Popo, notre cher Gary. La nombreuse âme, ça, nous saisit. Après ça, nous moulons, nous jetons. Au monde m'a posé question. D'armes qu'on est là, nous finissons saisir. Est-ce que y a un processus qui est passé pour venir à la police? Ou bien est-ce qu'on est révoqué aux États-Unis d'Amérique? Ou bien nous fouillons tout, mettez, ou bien nous moulons, nous jetons. D'armes qu'on est. Parce que c'est pas journée aujourd'hui à la police a saisi y a mené opération après ma son paquet d'armes et puis après la police pas jamais gain matériel s'il vous plaît au mon si réponse dans partie ça c'est extrêmement important pour nous connaître merci d'avance et avec appui de agent douanier la police a recherché activement Willman Jean commissionnaire de douane Bartol ainsi connu c'est lui-même qui t'appelle pour se voir. Par exemple, environ 1500 cartouches de calibre confisquées, 6 300 000 gouttes confisquées, 20 000 dollars américains confisqués, 2 véhicules confisqués, 9 motos confisquées. Gagné malheureusement 6 policiers qui blessés lors d'une dernière intervention et opération de la police. Gagné 16 armes qui saisies, dont un fusil d'assaut lors d'une opération et intervention PNH. Gagné plusieurs bandits armés qui sont neutralisés par la police lors des champs de tir avec la PNH. New York, ainsi connu, qui a opéré dans une cité de Doudoune. Monsieur blessé mortellement lors des champs de tir avec la police. La police saisit lors de démonstrations. Un fusil d'assaut, il y a une cartouche. C'est bien. Le 4 avril 2024, j'appelle Jean-Pierre Anthony. Qui vont s'y opérer par la qui. Monsieur qui fait partie d'un gang qui t'a opéré, donc ça a réglé Tim. Depuis Soufig, il m'a dit oui, moi c'est ça, vraiment. Oui, merci. La police procède à l'arrestation d'un policier, un policier aux îles Stafford. Situation sécurité pays a toujours été malouque. Bandi a utilisé plusieurs méthodes pour empêcher la population à vaquer à l'occupation. Gardez vos yeux. Continuer à demander soutien à la population pour traquer les gangs. Nous avons sollicité l'appui de la population dans le travail que nous avons fait. La situation sécuritaire est très délicate. Et nous avons utilisé plusieurs moyens pour empêcher la population de faire des activités. Et nous avons tiré tout en direction du PNH lors de l'intervention, cocktail Molotov. Et nous avons utilisé nos armes fin de foi. Opération et intervention police nationale d'Haïtien qui continue dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville, selon la police. C'est bien. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis, dans le cadre d'opération que la police a menée, il y a été gagné et démolition, plusieurs cailles dans la zone aéroport international là, et côté ça sorti, c'est. Eh bien,
et compagnie sécurité qui fait et compagnie aérienne exigence si pas gagner assez de sécurité notamment dans dans zone aéroport yo pas capable bailler assurance et l'état haïtien lui-même li obligé prendre les mesures nécessaires. C'est ça qui fait que la police nationale a commencé dans démolition, mais ça qui passe c'est que gagne en pile monde qui dit que ou bien caillou marqué à démolir ou bien au démoli mais au poko joindre cob et que l'état promet yo pour caille yo craser et puis gagne problème de titre de propriété. Son dossier qui est très important n'a retourné sous les. L'autre point d'actualité surtout toujours concernant pays d'Haïti, gagne la maison blanche qui a essayé fait congrès à débloquer l'argent pour financer force multinationale qui gagne pour entrer dans pays d'Haïti et qui a gagne tête li Kenya. Sandra Lemaire gagne détail sous des massacres qu'a fait. Conseiller Maison Blanche sous affaires sécurité nationale Jake Sullivan dit journaliste yo m'a dit que administration a consulté Congrès pour chercher débloquer financement qui est essentiel pour déployer une force multinationale pour Haïti plus vite possible. C'est Kenya qui pourra diriger force ça. Ah bon. Consulting with the Congress we to need try money. To unlock that funding because it is critical to get a multinational security force led by the Kenyans on the ground in Haiti as soon as possible. Thank you so much, Mister. On travaille à Congrès pour débloquer financement ça parce que les urgent pour déployer une force sécurité multinationale que Kenya va diriger en Haïti plus vite possible pour aider rétablir stabilité à la paix pour nous soulager souffrance peuple haïtien. Sullivan rappelait que l'objectif force là, c'est aider stabiliser Haïti et puis mettre la paix pour soulager souffrance citoyens innocents haïtiens. Sullivan souligne que les États-Unis mettaient des programmes en place pour aider haïtiens qui voulaient venir aux États-Unis. Il dit nous allons continuer à pousser pour pied devant avec le programme SAYO. Didi tout, États-Unis ouvert porte pour haïtiens qui ont couru pour les violences gangues, qui c'est une décision historique. It's a historic level of access for people who would be fleeing violence or otherwise seeking to deal with their circumstances in Haiti by coming here. Lidi assistance historique n'a bay pour haïtien kap kouri pour violence là ou bien qui a échappé en bas mauvais conséquences la vie en Haïti et qui vient aux États-Unis, nous a continuer faire ça. Sullivan répétait que cause principale situation Haïti a c'est insécurité a. But the root of all of this of people's ability to operate freely in their country or choose where they're going to go from their country is security and stability. And the United States. Dit ça que la cause haïtienne pas circuler librement dans pays yo ni choisir qui côté yo veut aller, c'est insécurité et instabilité. Non mais pas ça les blancs, mais nous la prend pour nous y parler, pour nous y intercéder pour nous. Oh les blancs, ils sont tellement gentils. Stabilité. États-Unis a dirigé un effort mondial pour aider à rétablir stabilité pour toute activité continuer à dérouler grâce à une force multinationale. Nous avons besoin d'argent pour faire ça. Sullivan dit l'administration Biden a cherché support démocrate ou républicain dans le Congrès pour débloquer l'argent. Monsieur Fekone, c'est chaque jour conversation SAYO a déroulé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Très bien. Donc, tu as capable le dossier Haïti à tout partout, que ce soit dans OEA, que ce soit dans les Nations Unies et dans le département d'État, dans la Maison Blanche, qui a même a penché sous dossier ça pendant ce temps. Nous connaissons que le Conseil et présidentiel transition lui-même est toujours dans difficulté pour l'installer avec toutes les confusions qui gagnent dans la question légale et autres n'absurde pour. Mais malgré ça, et sécurité et violence gang, Nations Unies, avec tout partenaire et local et international, rivaient distribuer aide humanitaire by moon qui n'a besoin. Nous parlons de New York avec Valérie Saint-Louis. OK. Haïti a fait face à gros défis humanitaires qui ont augmenté à cause de violence gang qui intensifié pendant 3 semaines qui sont passées là. Ils ont rapporté que gang Kounia contrôlé environ 90% de Port-au-Prince et ont lancé attaques chaque jour dans la capitale. Là. Selon Nations Unies, violence gang a forcé 53 000 personnes qui étaient ville là. Gros coup d'âme qui a tiré en bas la ville Port-au-Prince, forcé pif fort boutique avec misis sur fermé depuis le plus passé 8 mois. Dans l'autre partie dans la ville, là, partisan ancien leader rebelle Guy Philippe, boulé caoutchouc et puis bloqué la ria pendant qu'il a essayé de faire une manifestation pour demander que Guy Philippe fait partie du processus politique là. N'a pas fait que monsieur Amé a été boulé commissariat à la police, il a été loué coup d'âme sous principal aéroport international là qui était fermé et puis il a été envahi depuis gros prison.
Port-au-Prince tout noir. En Haïti, ils ont libéré plus passé 4000 prisonniers. Nations Unies rapporté que jusqu'à date 22 mars là, plus passé 1500 moun t'est mouri et yon lot 17000 moun t'est obligé courir quitter caillou à cause violence gang yo. Dans mitan tout désordre ça yo, travail humanitaire yo aplité pour offrir service clé de base yo, tant que soins santé et puis distribuer manger by groupe moun qui n'en besoin et qui pi vulnérable yo. Programme manger mondial là, World Food Program, continue faire distribution manger ensemble avec partenaires local et international yo, yo bay yon plat chaud chaque jour. Yo distribuer plus passé 22000 repas chaud by moun qui déplacé yo. Pendant ce temps, organisation internationale migration ensemble avec partenaires yo, t'ai distribué 132000 litres d'eau dans 500 déplacements à travers zone métropolitaine Port-au-Prince. Système soins santé en capitale a été très fragile. Au moins 50% établissements santé dans zone métropolitaine Port-au-Prince soit fermé ou soit service affecté en pile par violence gang. Partenaires humanitaires continuent à supporter service réponse soins santé à travers clinique mobile toujours dans centre déplacement et puis yo bay équipement médical avec fourniture pour reste l'hôpital qui a fonctionné. En dehors Port-au-Prince, dans l'autre département, opération humanitaire Nations Unies a continué. Organisation World Food Program a continué à acheter produits agricoles pour programme cantine l'école Lio. Et puis tout yo bay famille, yo ti chocho transfère l'argent cash. Accès à principal l'hôpital général pays a coupé à cause violence gang yo. D'après un rapport UNICEF qui sorti dans mois mars 2024 là, 1.1 million femmes actives en Haïti besoin assistance nutrition, plus passé 125 000 timoun gen pour souffrir malnutrition aiguë, ak youn sous 4 timoun kap souffrir de malnutrition chronique. Avec l'Agence nationale qui fermé aide humanitaire dans domaine nutrition ak soins santé, rete yon défi, mais Nations Unies dit que la continue fourni aide ak support que le capable à travers agence ak partenaires yo ki sou place. En pile moun gen gros créatif pour que sauf si sécurité a ta vin rétabli, situation ka vin pi grave toujours et ti aide que population a recevoir, li capable suspendre ou soit diminuer. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci garçon. Merci Valerio Saint-Louis, n'a prêté toujours dans New York et nous parlons dans Brooklyn côté eh ben gen glorieuse Nelson qui fait nous connaître que eh ben crise qui a passé dans pays d'Haïti a gen impact sur communauté haïtienne dans Brooklyn. Nous allons rejoindre. Exactement. Pas réussite. À touche dans mon petit peuple là. Haïti a fait face à une grave crise conjoncturelle. Insécurité grand goût rasé pour citer ça seulement a taillé banda sous population. Yon situation qui gen conséquence sou haïtien en dan kou deyò peyi a. Kek haïtien nou rencontre nan Brooklyn, New York, exprime ke sote ak la pérès yo genyen le yap gade sa kap pase nan peyi yo. Nou te pale ak Edine Celestin, ki se yon militant dwa moun ki te oblige kite Haïti sa gen 4 l'année. Tout après dit qu'on vit même niveau stress ensemble avec moun ka pi sou terrain parce que yon nan bagala chaque jour. Ou gon stress qu'on vive en permanence, on appelle que ou raté, on monde que ou relé que ou pas joine, en situation que ou tombé dans la radio et que ou imaginé. Et ça qui est difficile là, c'est que ou obligé vivre dans réalité pour la tout dans quotidien ça, ou pas carré les pour dire pas qu'elle travaille parce que Haïti pas bien, ou pas carré les pour dire qu'on sa situation abdominaux ou pas faire activité chaque jour. Effectivement. Donc on vivre avec un stress et obligé fonctionnel. Même Jacques Militant doit moun là. Steven Baboun, qui est un artiste et photographe haïtien, expliquait j'en ai eu anxiété. Il passe ses journées à informer à travers les réseaux sociaux à divers autres sites qui n'ont pas d'informations fiables. Il est conscient cependant que il a un privilège pour déconnecter les pas d'infos. Attends, il a trouvé l'argent où? Où t'es comme plutôt que d'attendre stickers sous nos téléphones, sous nos laptops. Ariel Henry bay comme là. Et puis tout volé ou là. Mande gouvernement qui sont passé à la côte. Ça fait longtemps, plus passé 2 ans pour aller tomber dans 3 ans pas attendre mon a dit côte comme béto. Bon. On a les garçons. Adje garçon, stress a fini avant. Adje. Côte comme béto. Bon, ça sont l'autre chat encore. Mais des sous chat insécurité. Tout manque gamba. Alors que les compatriotes nous sont souterrains à vivre dans le temps des blousailles là. C'est pays, mes familles, mes amis, anciens professeurs, collaborateurs, collègues, mes tout le monde moi aussi Haïti donc. Haïti. Qui genre m'ta fait craser habitude ça, les dur. Me sentir très inutile. Ça me voulait faire ou bien ça m'a fait pas gain, pas grand impact immédiat, impact là pas. Et je me sens très petit, très inutile, mais c'est un sentiment pour me craser, c'est un sentiment pour me combattre parce que c'est pas vrai. Malgré l'inquiétude d'Akla Perez,
Intervenant a expliqué nous yo vle rete quoi dans yon demain meilleur pour Haïti. Glorieuse Nelson pouvez-vous créole Brooklyn. Merci beaucoup. Moi dis nous merci parce que nous t'avons suivi avec attention. Merci pour fidélité et patience. Rendez-vous cassé demain matin. Bonheur, bonheur pour le journal Tout Haïtien Connecté. Bisous, bisous. Mouah. One love, guys.